Ah, il fait gris dans Paris, là, hein? Votre première question était de donner une analyse un petit peu sur la situation du cinéma algérien. C'était un vaste débat, plusieurs fois ressassé, mais il est néanmoins utile un peu de faire encore un constat. Si on parle du cinéma algérien de l'indépendance jusqu'aux années 75-80, disons, ignoré, il faut partir du début du cinéma algérien. C'est vrai que ces années-là ont connu un moment de floraison de films qui, dans leur thématique et dans leur esthétique, avaient un sens. Ce sont des films algériens, on n'a pas encore créé le cinéma algérien, mais c'était des films algériens de haute facture, de qualité, certains, pour certains, pas plus. Pour une raison bien simple, le système qui a été instauré juste après 65 a eu l'impudence de dresser un mur, c'est-à-dire des limites à ne pas dépasser. Et le mur, les créateurs le voyaient. Ce mur était en face, il était là, omniprésent, omniscient. Et donc ça insufflait de l'intelligence au créateur de pouvoir ou le contourner ou le fissurer. Ça obligeait à l'intelligence, à l'écriture de l'intelligence, de contourner ce mur ou de le fissurer. Et donc le propos était obligatoirement intelligent pour contourner ce mur. Cela n'excluait pas l'autocensure, naturellement. الله يرحمه برحمة الله مات الصبحة هذه عند الفجر ما كتب لهش ربي باش يشوفك دعا لك بالخير ووصاك على يماك تهلا فيها باش نموت على يد واحد كيما انت باباكم سلمني مكتف للجدرمية هذاك هو جزاه اما انتم ما درتوا لي والو نقدر نخليكم تروحوا في حالكم اذا حبيتوا بصح اذا تمسوا شعره من راسي ما راكم تلحقوه سمعتوا Mais après l'implosion de 88, la société algérienne, qui était à l'époque, qui était cohérente, elle était unie face au mur, mais qui avait des similitudes. Elle était compacte. On sentait la société algérienne de l'époque. Et après l'implosion, avec les sensibilités plus ou moins avoué, plus ou moins flou, ont créé plusieurs murs. Et ces murs, elles sont en haut, à droite, devant, derrière, au-dessus. Les islamistes ont leur mur, les centristes ont leur mur, le FLN implosé à plusieurs murs. Et là, le créateur se trouve dans une difficulté d'écriture pour ne pas justement heurter ses sensibilités. Parce que, sachant très bien, ne heurter aucune sensibilité veut dire ne rien écrire aussi. Aussi, c'est pour ça qu'on voit à la télévision les sempiternels Zawaj Talar,
où là, l'explosion de la petite famille avec des dialogues plus ou moins heureux. Et maintenant, pour le 50e anniversaire, on se réfugie en faisant des films sur les martyrs. Parce qu'on sait qu'avec les martyrs, avec les héros de la Révolution, là, on ne fait pas l'unanimité, mais on fait de l'unanisme. On sait qu'on ne heurte personne. On a la majorité. Alors, si le cinéma actuellement, et on le voit, sans citer de film et sans vouloir heurter personne, on fait le fait historique nous amène à quoi ? À 20 minutes, à 30 minutes de bataille, d'embuscade, d'exaction de l'armée française et tout ça, sans éternel. Et un point, c'est tout, quoi. Le jeune homme ou la jeune fille qui sort de ce film n'aura rien retenu, parce qu'on ne fait pas un film sur la guerre. Ce qui est important, ça c'est l'écriture. Mais on fait un film de guerre. On n'en a pas besoin, les Américains le font mieux. Quand est-ce que tu me ramènes une fiancée ? Ah oui, elle a raison, ta mère, elle est où, madame Bin Saoud ? Attendez, c'est un repas de famille ou un interrogatoire, là ? Papa ! J'ai promis à mon père de faire le ramadan à sa place. On dirait que ça t'enchante pas, hein ? Mais si, mais... C'est-à-dire qu'il faudrait... Il faudrait demander aux cinéastes, ou pseudo-cinéastes, d'avoir un peu plus d'humilité. Cette humilité consiste à quoi ? D'abord de lire. Bon, très souvent on me dit, mais il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de gens qui écrivent. Je dis non. Avec la foultitude de jeunes qui écrivent maintenant, depuis deux générations, hein, il y a matière à faire des films. Je cite L'Étoile d'Alger d'Aziz Chouaré. Je cite les romans de Boujdra, de Rachid Mimouni. Le fleuve détourné peut être un très 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 beau film. La plupart des gens se contentent d'un article d'un journaliste paresseux ou pressé, de donner son opinion. Si on écrit trois fois ou quatre fois sur le même auteur, les gens lisent les appréciations de ce journaliste paresseux et pressé et on se dit, tiens, on le connaît. Et on ne le lit pas. Et ça, c'est terrible. Parce que, messieurs les cinéastes, si vous lisiez, vous verrez qu'il y a des choses matières. Il y a des gens qui écrivent. Il y a une intelligence qui se crée chez la jeune génération. Que j'ai eu le plaisir de jouer au théâtre. Parce que moi, mon grand plaisir et mon grand honneur, ce sont les auteurs qui m'ont imposé au théâtre. Ce n'est pas les gens de mon milieu. Et ça, je ne demande pas plus, j'en suis très fier. J'ai joué pratiquement tous les auteurs algériens, dignes d'être lus, d'être dits ou d'être interprétés, sans omettre aucun. Bon, tout le monde le sait, j'ai fait du Khatib Yassine, du Mamri, de Rachid Boujdra, de Rachid Mimouni, Aziz Chouaris, Slimane Ben Issa, Aloula Abdel Qadr, et j'en passe. Et aujourd'hui, par exemple, Mustapha Ben Foudil. Hein, un jeune auteur absolument magnifique, d'une sensibilité. Bon, faites appel à ces gens-là. Mais si vous voulez être vous-même, et c'est vous qui écrivez le scénario, c'est vous qui inscrivez les dialogues, c'est vous qui mettez en scène, bien sûr, ça ne peut aller qu'à la catastrophe. Ça je trouve... Je trouve qu'un peu d'humilité nous serait à tout le monde. Et un retour viendra me déterrer pour se repaître de mes entrailles, des lambeaux de ma chair, nettoyer et sculpter mon squelette. Tu vois, Mufti, tu as tout faux. Au cinéma algérien, l'écriture, c'est des moyens. C'est vrai que les moyens, on demande toujours les moyens. Mais on ne fait pas des moyens pour avoir plus de figurants et faire un peu plus de guerre et plus de bombes. Ce sont des moyens gaspillés. Je m'excuse. Et je ne veux pas être du tout méchant. Voilà. Mais je ne suis pas méchant. Je fais un constat parce que moi-même, j'en souffre. Et comme je le disais, se cacher derrière l'héroïsme, parce que c'est le 50e anniversaire que chaque cinéaste choisit son martyr.
Et faites en sorte que ce... Faites-nous vivre. Faites-le respirer. Faites-le penser. Pour que nous le aimions plus. Pour que nous le évoquions. Et que les jeunes algériens, les jeunes filles algériennes sortent avec une idée précise de ce qu'est le Verrou, de savoir quel est le nom de leur lycée, la rue qu'ils traversent, c'est qui, c'est quoi, au moins pouvoir en dire un mot et pas faire un film de plus. C'est tout ceci qui a poussé un petit peu au marasme avec tous ces interdits et cette implosion des sensibilités. Cette implosion des sensibilités a encore un nom très clair, très flou, fait qu'une société actuellement, la société algérienne, aujourd'hui, n'est pas la société algérienne des années 70-80. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas manipuler le même concept avec une société qui a soit évolué, soit qui est maintenant implosée. Donc il faut réfléchir. L'art n'est pas spontané. L'art est rattaché à la société dans laquelle il doit se mouvoir. Il est la transpiration de cette société. Elle est la quintessence, elle est la réflexion. C'est ce que demandent les gens. Nous avons la prétention, nous. Parce que c'est prétentieux, comme on le dit. Regardez-moi, en tant qu'acteur, pendant 2 heures, je dis à tout le monde, taisez-vous, laissez-moi parler, c'est moi qui parle. Je suis plus prétentieux que ça, hein? Je sais pas. Oui, c'est prétentieux. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Mais il faut que je sache ce que je dis et que j'ai l'intelligence de dire. Ou que des auteurs intelligents m'ont permis de communiquer. Je passe à travers plusieurs canaux. En me mettant en danger, avoir l'intelligence de l'œuvre que je lis, et cette intelligence que je dois dire, me demande beaucoup de travail, me demande de la rigueur, me demande de l'intelligence, me demande d'aller, de fouiller, de comprendre telle phrase, et de ne pas se contenter dans les non-dits. Parce que c'est vrai que dans notre cinéma, c'est les non-dits. Dans le théâtre, c'est les non-dits. On laisse au soin aux spectateurs de dire ce que nous n'avons pas osé dire. Alors maintenant, nous ne sommes ni dans le dit, ni dans le non-dit. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Alors, un peu d'humilité et un peu de recherche. Un peu de rigueur de ce que l'on est, de ce qu'on veut transmettre, et ne pas faire un film en plus parce qu'on a les moyens. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie de cette crise? Ah, il faut toujours faire confiance, et surtout au peuple algérien, parce que moi, pour moi, le peuple algérien, il l'a démontré d'ailleurs dans son histoire. Il sait reculer ou mieux sauter. C'est un peuple qui n'est pas silencieux, qui n'est... Il peut se taire un moment, mais pas trop longtemps, parce qu'il ne souffre aucun joug. Il a une force en lui, une réadaptation extraordinaire. Il a démontré au coup. Bon, maintenant, moi, j'ai horreur des gens, des donneurs de leçons, dire ah, le peuple algérien ne bouge pas. J'ai dit, ne vous mêlez pas de ce peuple. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il fait. Et en plus, moi j'aurais été tellement heureux maintenant de marcher, de lire un livre. Mais quand j'entends les crétins dire « je suis obligé d'appauvrir mon propos pour être à la hauteur du peuple », une telle insulte m'oblige à sortir de ma réserve et de leur dire « taisez-vous s'il vous plaît, fermez vos gueules, vous n'avez pas honte de dire des choses pareilles ». Le peuple nous dépasse. Il est supérieur à nous. C'est nous qui devons accéder à son intelligence. Ce n'est pas nous à appauvrir notre discours, notre propos pour être à sa hauteur. C'est la chose la plus humiliante et la plus blessante. Ça a été écrit, ça a été dit.
Voilà ce qui me sort de ma réserve et qui m'a aujourd'hui m'a obligé de parler, sinon je n'aurais rien dit. J'aime reçu comme une détonation en pleine gorge. Je bois que tu m'as notifié. Alors relis ta copie au mufti et laisse-moi aller jusqu'au bout de ta pensée. Ou l'enfuir de lui en quelque endroit solitaire et son nom, et qui ne pourront jamais, en raison de leur infirmité, la retrouver. Oh, cette idée n'est pas pour me déplaire. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Eh ben, de faire de bons films algériens et de retrouver mon public. Parce qu'il me manque. Parce que j'ai la prétention, voilà, celle-là, je la décrète, que je suis inscrit dans une mémoire culturelle. Mais parce que je suis né à cette période-là, je serais venu 10 ans avant ou 10 ans plus tôt, je ne serais pas inscrit dans la mémoire. Donc je ne dois rien, je ne dois qu'à ma naissance. En fait, ma naissance m'a permis d'être dans cette mémoire, d'être inscrit dans cette mémoire. Eh bien, cette mémoire, moi, je ne veux pas la salir, je veux partir propre, honnête, être digne de la confiance que le public place en moi. C'est tout.